Et s'il s'est, en fin de compte, fait sentir un certain manque de reconnaissance, nous assistons à la valorisation de vos actions en guise de prise de conscience et de quête de sens. Si chacun fait un pas vers l'autre, naîtra inéluctablement un climat de confiance, un petit pas de danse, un grand pas pour la télévision de France. On en appelle donc à un travail de concert entre les RH, les acteurs de la santé, les managers et la DSQVT, en vue de la mise en place d'un système et d'une culture de prévention décloisonnée, des tâches non partialisées, avec des hommes et des femmes responsabilisés, car le contexte a bel et bien changé, et les mots renouvelés, s'adapter, résonnent en écho pour pouvoir bien s'envoler vers la vallée des rêves réalisés. La QVT est là pour mobiliser, fédérer et pour vous accompagner dans les transformations que l'entreprise est en train de traverser. Alors oui, octroyez-vous s'il vous plaît les droits de rêver et d'échouer, d'utiliser la coopération et l'agilité, la collaboration et la flexibilité en tant que maître mot-clé pour donner vie et envie à vos idées. Comme disait Victor Hugo, l'utopie deviendra un jour réalité. L'avenir appartiendra, je l'espère, à ceux qui se lèveront tôt les rangs d'un air consciencieux, reflétant un sourire dans les yeux comme si RH voulait dorénavant dire rendre heureux. Et à la question « Comment dépoussiérer la maison France Télévisions de nos voeux » peut-être par l'innovation sociale et le travailler ensemble en guise de balai à deux. Ce poème n'était qu'une invitation à coécrire l'accord cadre demain en guise de texte commun, tel un parchemin signé main dans la main, pour enfin pouvoir ne faire qu'un. Un business model, c'est bien, mais je préfère encore une entreprise modèle. Car oui, la vie peut être belle, et je rêve encore d'une économie vertuelle. Donc visez sans langue de boîte, le champ infini des possibles. Sous votre étoile ne brille que de sublimes perspectives. La santé, c'est l'affaire de tous, et l'avenir est en vous, alors à vous de l'écrire et d'avancer ensemble. Vous êtes encore et en cœur la plus belle télévision de France. Merci et bon voyage en terre inconnue, vers un avenir un peu plus reconnu. Merci, bonne soirée.